Donc, caméra lancée. Celle-là, c'est la plus importante aujourd'hui, pour le Saint-Michel en particulier. Voilà. Numéro 2. Numéro 3. Un jour, on va arriver jusqu'à numéro 10. Ouais, je pense que... Numéro 4. On a un ciel, il y a passé sur le numéro 5. Mais là, on n'y est pas loin, quand même. Et on lance l'audio. 3, 2, 1, maintenant. Voilà. Je la contrôlerai avec la coude de la tisse. Dans une minute. On dirait quand vous voulez le chrono. Ouais. De toute façon, on lancera le chrono quand on sera en vol, quand on sera après. Vous me faites 2x25. Quand on sera dans la CTR en fait. 2x25. Alors, mise en route, patin couffin, il est 10h02. Carfix là aussi, il ne tient pas beaucoup. Comment ? Le truc là, il glisse, je n'avais jamais remarqué ça. Réchauffe carré, poussée verrouillée, disjoncteur off, off, contact batterie. Donc on est full. Ah, si je faisais pas là, si je faisais la synchro, c'est mieux. 3, 2, 1 pour la synchro. Ça voilà. Les oreilles. Toujours, hein. Contact batterie on, autonomie, donc on vient de voir. Alarme testée. Troisième édition, feu anti-col on, continue, tiens, ça va s'embêter, on met la clé, on a la mixture, ceinture non attachée, feu anti-col on, donc là, on fait juste une injection pour le principe. Et ça doit démarrer, on est sur le coup. Plus de bombe 41, 81, Delta Bouffon. Exit, c'est bien. 81 Delta, bonjour. Alors 81 Delta, Saratoga au parking Alpha Aviation et 4 personnes à bord, on a copié Alpha. On souhaiterait rouler pour la 08, on a un plan de vol Zulu pour Belle-Île-en-Mer activable à Kovac. Monsieur 81 Delta, la radio, vous pour votre setup. Vous voulez dire la clairance? Oui, la de décollage, donc 0805. Ouais, c'est ça, ouais. On a un slot, ouais, effectivement. Bye. Posted area of Mo Air Show is active. Check SEP Air Information Publication 163/22 and NOTAM. Caution, earth cable of fuel pump number 3 is unserviceable. You can use the one of the number 4. Il a dit que le carburant sert service de la pompe 3 et il conseille d'utiliser celui de la pompe 4. Today sunset, one liner 50 UTC at first contact confirm. Alpha information received. Thank you. Bonjour à toutes et à tous, c'est information Alpha, je serai pour l'année à 7h UTC. La piste 08 est en service. Attention, zone de restriction temporaire sur, centrée sur l'aérodrome de Mour pour le meeting. Vérifiez le supplément IP 163/22 et il est notamment en vigueur. Attention, le câble de masse de la pompe numéro 3 est cassé, vous pouvez utiliser celui de la pompe numéro 4. Attention, périlavière. Vent sol 0,50, 10 nœuds. Visibilité 10 km. Température 17, Québec Thermomotel 1027, unité 027. Aujourd'hui, coucher du soleil 19h50 UTC. Au premier contact, confirmez l'information. Alpha reçu, merci. Good day, this is Alpha Information. Recognize point 07 UTC. Runway 08 News. Caution, temporary restricted area of Mo Air Show is active.
check SUP Air Information Publication 163/22 and NOTAM. Caution, earth cable of fuel pump number 3 is unserviceable. You can use the one of the number 4. Caution, bird hazard. Surface wind 0.50 degrees, 10 knots, visibility 10 km. Temperature 1.7, Quebec Novo Motel 1027. Today sunset 1950 UTC at first contact confirm. Alpha information received. Thank you. Bonjour à toutes et à tous, c'est Chef. Donc LF, RF. Preview, donc tu vois, on fait ça. Donc là j'ai pris sur Laval, mais même si on n'y va pas. Et ensuite direct là-bas. Active. Leg. Ok, on est bon. 118. Ah, ok. Le sol du Fox Oscar au parking, ravitaillement effectué. Nous sommes prêts pour un vol à destination de Granville, Lima Fox, Romeo Fox, demande aux agents. Fox X-ray Oscar, transpondeur 3721, on roule les points d'attente piste 08, je rappelle prêt. 3721 affiché, je roule point d'attente 08, je rappelle prêt, Fox X-ray Oscar. Que les câbles diminuent, la bille fout le camp à droite. Les freins sont plus longs. Virage à droite, cap augmente, bille à gauche. C'est noté à 32 ça. GPS no position. Bon. Température extérieure 20 degrés comme attendu, un peu de chose près.
on est embuté ou c'est toi qui me gêne un peu? Toi qui me gêne un poil, mais c'est pas en tout en fin de course là. Comment t'en prends? Là, entre 3 et 4. On va dire de rien lâcher. Lâcher, faire le bien pour la porte de 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 la
Jean-Luc ? Ok. Il est prêt à lancer, donc on a la pompe. Voilà, on est en train de faire le passe sur le gauche. Maintenant. La pression est toujours bonne. Le moteur ne douce pas. On est sur le gauche, il est 10h20. Maintenant. Ok, lancez pour 25 minutes. Ok, merci.
Voilà, 234. Un visuel sur le terrain. Je vois là, t'as le champ de en verdure. Voilà, t'as du jaune à droite, là, ouais. Juste un peu plus jaune, t'as du vert, et derrière, t'as le terrain. Il y a un truc blanc, il y a un blanc, truc comme ça, ouais, ça c'est vraiment ouais, derrière. Derrière, derrière, il y a du blanc, en fait. On est deux. Alors ici, en principe, on peut passer sur... on a franchi, donc on arrive sur le pont, donc on peut se mettre avec scène. En 34. Le Fox Oscar, nous sommes toujours 2400 pieds, 3 nautiques à l'ouest du terrain, direction Le Chartres. Nous quittons la fréquence, au revoir. Bon vol. Qu'est-ce que sur Chartres?
pleine information du Fox Golf Mike Mix Oscar. Bonjour. Le Fox Golf Mike Mix Oscar, DR 400. Trois personnes à bord, nous venons de passer, donc nous sommes 2500 pieds. Nous allons sur Chartres et Alençon, donc à l'écoute sur cette fréquence. On a fait un point tournant, c'est dans le vert, c'est dans le vert. Là aussi. Je retiens. Bon, je reviens sur l'assistance. Quand on est dans la zone, si jamais on a besoin d'assistance, au moins il y a quelqu'un. T'as raison. Bon, voilà. Alors. Si on suit pour aller sur Chartres, en fait il faut remonter un peu plus à droite. Et comme de toute façon nous on va passer au sud de Chartres en termes de trajectoire. Je vise le sud de Chartres directement, c'est-à-dire un 2 entre 270 et 280. On est 125, 842, 38. On va arriver vite, hein. Ah ouais, 14 de dans le cul. Hop, hop, voilà, hop, hop, hop. On en a vu le Chartres en face. C'est là. Hop, voilà. On a beaucoup de champs ici, hein. Ouais. Ouais, c'est étonnant que ça turbule d'ailleurs comme ça. Ben écoute, ça commence. Ouais, non, j'allais dire ça, ça a chauffé, mais non, on a vu que non, puisque les températures au sol sont de 20 degrés. Ouais. Actuellement, j'ai 16 degrés ici. Bon, je peux monter à 3005 si tu veux. Ouais. Non, parce qu'on va regarder la cathédrale. Ah oui, c'est très important. Bah, mais tant qu'à faire, on passe à côté, alors autant profiter. Hein. Pas de sushi. Après, on va monter effectivement un peu plus. Il n'y aura pas grand chose à voir. Tant que le passager n'est pas malade. Très bien. Bah, on la voit loin, on la voit de loin, cher. C'est une grande ville. J'allais dire, il y a l'autre terrain qui est quelque part à droite là, mais je le vois pas. Bayou. Bayou. Mais d'agence, c'est pas être loin là, je pense, à droite. Mais la petite taverne est comme ça, ça c'est. Ah, regarde. Non, c'est bon ça. Quelque part par là, mais. En fait, il est pas loin de la ville. Derrière, une fois on était passé, on l'avait cherché. Il était passé au nord de ce patelin. En revenant, il est juste derrière là. Je vais laisser la ville à droite ou à gauche. À quoi? Je vais laisser la ville de Chartres sur ta droite, sur ta gauche. À droite. Quand tu te passes par là. Et là, et la cathédrale, elle est un peu plus au centre. C'est là. Le truc blanc là, on la voit déjà pas. Ici là, à droite. Bon, on va passer un peu loin, mais bon. Le terrain, il est dans le truc qui est. Enfin, sur le terrain, ouais.
Vous êtes du descendre un tout petit peu encore, il prend 50 tours.
de travers.
appel par la pique.
j'ai perdu le minuteur là, tiens, c'est bizarre. D'accord, c'est pas grave, on est sur du 45, hein. Sur 45, c'est pas grave, hein.
Right, turn heading north. Affirmative. Affirmative. Right,
gauche.
Reçu Alpha India, excusez-moi, je pensais m'être écarté suffisamment. À gauche, repart, en direction José, pour Alpha India. Bon. Il y en a un dans le coin, mais je vois pas. Ah non. Il dit qu'il était dedans, la R12. Alors je pose la question. Ah non. Ah, si tu veux, mais alors attends, on va se dézoomer. Ah là, c'est des appareils, on pourra les voir. Juliette Roméo, Québec Roméo. Il y a information de trafic dans vos gauche-droite, 500 pieds plus haut pour 4 nautiques, un DR400. Donc il est plus bas que toi. Gauche Lima, Kilo Lima, information de trafic, 400 pieds plus bas dans vos 2 heures, droite, gauche, 2 nautiques, un DR400. Kilo Lima, l'information reçue, on baille, merci. Fox Golf Lima, Victor Zulu, vous rentrez sur DR. Négatif, encore 3-4 minutes pour terminer notre exercice avant de rentrer. Monsieur Victor Zulu, un DR400 dans votre travers gauche, 600 pieds plus bas, qui est en fréquence avec nous pour 3 nautiques. Bien pris, et je regarde Victor Zulu. Alpha India. Alpha India aussi. Vous avez visé sur le DR400, 300 pieds plus haut, dans vos 2 heures. J'ai visuel, il vient de croiser, il est maintenant sur mes 3 heures. À qui on y va, je confirme. Je suis à 3 minutes de la CDR, de la TMA, pardon. X-ray Fox reçu, le transit approuvé. Transit approuvé, merci. À Dinar de Colélima, on fait un dernier 360, 3100 pieds avant d'aller sur la branche. Reçu Kilo Lima, rappelez envie de la branche pour quitter. Kilo Lima. Donc, rien d'information du X-ray Oscar, nous sommes 2 nautiques à peine verticalement Saint-Michel. Nous allons faire donc un grand virage de 360 et même un peu plus à 3200 pieds. Pas d'appareil en visuel. Gauche X-Roscar, j'ai pas de trafic connu à vous signaler. Ouvrez bien l'œil, attention au trafic basse altitude que je vois pas. C'est reçu, merci. Alors il est où cette pour Saint-Michel? Là je suis déjà un peu haut, elle est là. Ah je le vois pas. Ah c'est bon, ouais. Tata Echo, Whisky Kilo BD. Tata Echo, Whisky Kilo, Cessna 182 out of 3 to Guernsey. Currently level at 6,547,000. Looking for an information service, Tata Whisky Kilo. Tata Whisky Kilo, Scope 7040, Whisky Kilo. Compacteur, rien en droit, ouais. Et sur des cimetures.
la hauteur comme ça, on le verra bien. Thank you.
Fabia au parking, je quitte la fréquence. Un peu mouvementé, nous sommes sur le seuil de la 27 pour laisser la piste à l'appareil qui est derrière nous. Faire retour. Ah non, c'est il n'a pas de place. Bon bah désolé les gars pour ce truc bizarre. Moi ça s'est fini assez bizarre. Oui parce que t'avais pas un accès de vitesse. Ben non, j'ai pas compris. T'as ralenti complètement ou t'as pas ralenti? Alors complètement on est, j'avais réduit complètement parce qu'on était à une quinzaine de mètres. Ouais, quand t'as réduit, on passait le seuil. Il est bien descendu. Et à mon nez, donc j'ai trouvé qu'il descendait un petit peu trop et que la vitesse chutait, donc j'ai dit là c'est pas bon. J'ai remis une pichenette. Et après j'ai dû reprendre de la vitesse et puis l'oscillation. Après toucher, bon, un peu enfin, dur, mais un peu à peine quoi. Ouais, enfin, un peu quand même. Mais... T'as fait 2-3 rebonds. Et après 2-3 rebonds. Ouais. Mais c'était pas violent, oui, c'était pas violent. Non, c'était pas violent, mais c'était surprenant. Ouais, bizarre, je sais pas. En termes de vitesse. Je sais pas. Je me rappelle, la dernière chose que je me rappelle d'avoir vu, c'est qu'effectivement, quand on était vraiment et que je descendais pour le toucher, on était à 61 et on était quand même déjà un peu haut. J'ai dit, si je commence à faire l'arrondi maintenant, déjà c'est trop haut, la vitesse est en train de chuter. Donc j'ai remis les gaz. C'est ça, ouais, je pense. Peut-être un peu trop, mais ouais, pourtant je pense avoir dosé. Et après, une fois qu'on a touché, j'ai au lieu de réduire, par contre, au lieu de retirer, j'ai dû garder. Et donc ce qui fait qu'en fait, il a repris de la vitesse et il a fait ça en fait. À mon avis, c'est ça le truc. Enfin bon. Voilà. Ok, donc et on éteint tout. Voilà, on éteint tout, c'était pas grave. Atterrissage sportif quand même.